ici en Afrique du Sud. Merci beaucoup, merci. Bonjour. En tout cas, nous sommes vraiment émus de vous recevoir ici en Afrique du Sud. Avec plaisir. C'est pour la première fois? Non, c'est pour la deuxième fois. Ok, apôtre. Yeah. J'aimerais juste poser quelques deux, trois questions. Non, d'accord. Yeah. C'est quoi le but de votre mission ici en Afrique du Sud? Le premier but, c'est d'abord pour venir prendre un petit moment de retraite dans la présence de Dieu, chercher la face du Seigneur. Le deuxième but, j'ai une conférence à tenir dans cette ville, dans une église de la place qui va me recevoir déjà dès ce mercredi. Et le troisième but, c'est de faire découvrir à ma femme et à mon fils c'est quoi l'Afrique du Sud à partir de Johannesburg. Merci beaucoup, apôtre. Vous allez passer combien de temps ici en Afrique du Sud? Personnellement, j'ai passerai 5 à 6 jours. Et ma femme va passer 2 semaines ici en Afrique du Sud. Maman, comment c'est le Congo? Le Congo est vraiment un pays béni. C'est calme, tout va bien. Et comment vous avez trouvé l'Afrique du Sud? Bon, c'est un pays qui est wawa. Dès juste l'arrivée, j'ai vu que c'était fantastique, c'était fabuleux. C'est beau à voir, impeccable. Merci beaucoup, maman. Merci. Apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté congolaise? À la communauté congolaise, je vais d'abord faire la première recommandation. Tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, n'est pas seulement les résultats de la grâce. La grâce est là, mais si la grâce trouve l'oisivité, la passivité, cette grâce se convertira en un nul. La grâce exige le travail. Le Congolais doit comprendre que le développement est à sa porte. Ce que le développement attend, c'est que les Congolais puissent s'éveiller et se réveiller pour travailler. Atteindre le niveau de développement, c'est juste une bonne prise de conscience et un esprit de travail. La deuxième chose que je demande aux Congolais, c'est d'aimer sa patrie, d'aimer sa nation, ce qui permettra à l'ennemi du Congo d'être anéanti, d'être bouté dehors, et le Congolais va récupérer l'intégrité et son intégrité territoriale. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa. Comme on dit chez nous, caribou, ici on dit welcome. Thank you so much. Yeah. Merci beaucoup. Donc ça, viens quoi.